organización que es la Asociación de Mujeres Migrantes para la Acción Política. Es un grupo de femmes migrantes que trabaja para capabrive trabajar con los derechos de voto a migrantes a nivel nacional en Argentina. ¿Cómo Mendocino con Rosalino? Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur Channel ça qui c'est bon appétit qui rentre la caille nous jeudi. Et bien comme nous connaît déjà moi Mendoza, OK, moi non séjour Mendoza qui c'est une ville en Argentine. Donc jeudi c'est pratiquement dernier jour moi dans ville ça. Donc matin là moi vinn déjeuner avec mes amis et puis petite li tout. Donc m'a tout simplement entre-temps que yo pral porter ça m'a été commandé pour moi, m'a tout simplement font petit parler ensemble avec nous de ville là qui s'en passer de lui etc. Restez branché pas avant cette vidéo parce que dans fin vidéo surtout moi qui ai une belle surprise pour nous, moi pour te inviter pour nous. À tout à l'heure. Ça passé, c'est petite là vraiment impatient parce que nous venons déjeuner là, ça fait un bon petit temps nous placer commande là pour capoter pour nous la faire des routes, nous connaître ces petit monde. Il vraiment besoin pour commande l'arrivée et moi même tout m'appeler des boîtes là parce que vraiment besoin pour commande l'arrivée. Ay pingo hombre, journée longue. Espérons un petit moment parce que je voulais montrer nous qui ça il porter pour nous quoi c'est un petit chocolat m'était commandé avec deux trois factures ça le voici. Et puis tout à l'heure, on va rentrer côté invité à venir pas avancer vidéo à surtout hein. À tout à l'heure. OK, finalement commande l'arrivée, ça nous demandé au chocolat ça m'a été commandé et n'a commencé à manger. À tout à l'heure. T'es mon chocolat. Bueno chicos, al final le moment tant attendu est arrivé parce que je vais présenter nos invités ça que je te promets nous depuis dans le début de la vidéo. A tout de suite. Et bien, si vous vous abonnez ensemble avec Chanel, là, si vous connectez avec moi, vous apprenez que les vidéos que je poste semaine ça, les bases surtout de un voyage que moi a fait du côté de Mendoza et moi toujours qu'on a regardé vidéo concernant ville ça donc finalement moi j'ai décidé venir faire connaissance ensemble avec lui donc je dis à moi qui ont invité ce channel là et m'a pas présenté m'a laissé le soin pour le présenter tête. Voilà, c'est sympa. Moi c'est Jasmine, ma vie Mendoza et pour moi j'ai gagné honneur pour me recevoir belle demoiselle ça et puis montrer un peu ville et qui ça qui gagne et tout ça. Moi c'est Jasmine, 23 ans, de me tirer ses fêtes moi. Ah, de me tirer ses fêtes moi, j'ai 33 ans, moi j'ai une petite fille et qui ça me garde encore. Moi c'est docente, moi c'est professeur. Moi c'est professeur et cantante. Moi chante tout et puis moi c'est activiste pour mon migrant avec mon quinoa et à niveau national dans l'Argentine. Wow! Donc si nous avons bien remarqué là, nous avons un monde qui est super, vraiment super important avec moi aujourd'hui. Donc moi même tout, moi j'ai un honneur, moi j'ai un pile honneur pour être capable de rencontrer ensemble avec lui. C'est un monde de cœur, c'est un monde qui est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, nous sommes capables de voir ça, c'est un monde qui baille dans affaires de défendre droit nous-mêmes qui sommes immigrants. Donc, ce n'est pas demander, il fait volontairement.
Donc nous capable prendre que c'est un monde vraiment qui gagne un grand cœur. Donc je dis à vidéo ça, nous allons parler un peu de différence qui gagne en deux villes ça yo, puisque moi-même moi en vivre Rosario et lui même il vit Mendoza. Ça fait combien de temps déjà? Et il y a environ ça fait au moins 6 ou 7 ans depuis qu'elle vit ici à Mendoza. Donc nous allons pouvoir lui vraiment Mendocina, ça aussi. Ah, ici. Mendocina, Haïtiana. Bueno, donc voilà. Donc, différence nous capable de faire. Donc, nous allons dire comment moi ça y est au yo. Et lui-même, nous dit nous, qui ça qui gagne Mendoza, et nous-mêmes, nous capable d'établir la différence là. Ok, concernant Argentin, yo. Argentin qui est au yo. Comment yo y est? C'est des gens qui vraiment. Yo muy creídos. Si nous connaissons Argentin, surtout Rosalino, sont muy creídos. O sea, yo pensé que c'est eux-mêmes qui sont plus intelligents, c'est eux-mêmes qui sont plus hermosos, c'est eux-mêmes. Yo pensé que c'est eux-mêmes qui ont la tête, c'est eux-mêmes qui sont meilleurs. Ok, yo pensé que c'est meilleur parmi toutes les Argentins qui sont dans toute ville, donc c'est eux-mêmes qui sont meilleurs. Ok, donc vraiment, yo vraiment creído. Par contre, yo un peu accueillant, la vraiment difficile pour Yvon côté. Pour un Rosarino, surtout le Rosario, par contre, comment vous voyez, là, hors de ville. Yo. Mais il y a cercal, il pose des questions, bien que des fois, les questions sont un peu drôles. Il y a posé des questions, puis il est capable de prendre plus de où, de donner des sources, comme qui vive, qui a sa carte. Bon, il y a posé des questions. Il y a un peu accueillant. Et quelle différence vous fait dans ce sens tout par rapport avec Mendocino? Si différence n'était capable faire li en pile parce que m'gain chance pour voyager plusieurs fois aux Rosario et puis m'gain chance pour voyager tout en dans Mendoza. Ça ba moi yon avantage qui fait me connaître un peu et dans caractéristique générale agent yo c'est monde qui vraiment quoi dans tête chose, c'est monde qui vraiment raciste et qui vraiment aime discriminer monde. Mais chaque province gain particularité pa yo. Parce que dans Rosario, capable comme cette sorte de là, ouais, mon yo plus accueillant, plus remerri, plus poser question. Que si bien ça, c'est pas yon caractéristique positive, parce que le plus souvent ça passe tout, yon hypocrite. Mais en Mendoza, on capable dire que Mendoza c'est une ville, yon dit c'est un pays mon, c'est un pays montagnes, qui signifie que c'est moun mon, d'après nous, j'en connais en Haïti, hein, et yon plus fermé. Yo plus fermé, yo plus comme si et si yo pas connait un bien, tout en yo pas connait un bien, yo gagne une réticence pour yo approcher ensemble avec. Et l'autre différence qui gagne, on toujours dit ça, Rosario c'est yon petit Buenos Aires. Rosario son ville qui oui, avec le temps oui. Qui moi paraissait yo à Buenos Aires, yo vraiment semblé, mais Mendoza li plus tranquille, li plus posé, comme si c'est plus en famille, vivre en famille. Et ouais. Plus moun l'église, plus aller dans le parc et tout genre de situations. C'est plus tranquille, digamos. Claro. Okay. Et plus tranquille para, pour moun ta vivre, digamos, en famille, Mendoza est plus tranquille, plus posé. Plus posé. Wow. Donc, nous avons pour la différence là, vraiment entre deux villes, ça y est, donc comment moun yo y est. Yo gen yo gen caractéristique là, que j'aime vraiment apprécier le fait que yo vraiment. Remer kontali en famille, son ville qui vraiment posé. Ou capable pour remarquer ça même qu'on dans centre-ville là, à midi-midiya ou moun yo a manger vraiment senti c'est un groupe moun qui vraiment soudé, c'est comme famille. Donc toute bagaille vraiment plus tranquille ici là. Moi vraiment remer ville là et si on vive Rosario, si on vive Buenos Aires, quelque soit côté que on vive dans pays ou ta remer ville qu'on aime Mendoza, donc moi invite au faire ça. Un petit temps leur gain possibilité pour faire ça parce que ou pas pour une grande visite là c'est une vraiment belle ville que nous. Et qu'est-ce qu'on a ajouté? Et une caractéristique que Mendoza gain c'est dire Mendoza c'est la ciudad del sol, le buen vino. Del buen vino, si. Plus, et il fait plus du vin et puis qui ça encore et puis il y a un pile touriste qui a une relation avec le monde. You know, mon qui pire dans le monde là en général qui c'est à Aconcagua, c'est lui situé lui justement dans Mendoza. Wow. Donc c'est malheureusement, moi pas visiter belle montagne ça,
Mais sinon, dans les mois à venir, je vais pouvoir retourner. Parce que explorer la ville de Mendoza, ça m'a défendu tout pour bon, vraiment un long temps devant. Parce que centre-ville seulement pour contre lui, tellement il y a des côtés qui sont vraiment belles. Donc, il faut vraiment pour l'au moins deux semaines en plein pour visiter Mendoza. Dans la place côté nous, justement là, c'est une place. Et que les places San Martin et Saint Martin, et pour les gens qui connaissent déjà San Martin, c'est une grosse mondiale qui était libérée Pérou, Chili avec Argentine. C'est une leader qui est en pile haïtien qui reconnaît, qui est en pile admiration pour lui. Et justement, nous rencontrons nous juste dans l'espace, ça, quand on a regardé lui même tout qui est sur un cheval. Sur un cheval, je vais faire ma feuille. Après ça, l'espace, c'est vraiment beau, c'est vraiment. Wow, moi j'étais vraiment content que tu parles ça avec nous pour nous être capable d'établir différence là entre deux villes ça yo et pour nous être capable de parler ça masqué là parce que si moi je suis avec un monde qui est aussi important, un monde qui est aussi talentueuse, elle sait chanter aussi. Comment chanter, le lave chanter, wow. Donc il y a une page, comment se chama tu page Facebook et Instagram? Moi j'ai une page côté ma prêtresse, très africaine. Ouais. Moi j'ai une page qui est Jazz-Bajo, comment trade union? Trade union et Trenzas. Et là je suis en travail moi fait yo et puis j'ai une autre page ma administrée qui est Amantes de idiomas. Côté que nous passons tout ça qui vient pour avec culture en général, mais spécifiquement des cultures qui vient pour avec culture noire, avec culture Haïti, qui vient pour avec manger, tout genre d'activités ça nous partager. Et puis tout nous avons organisation qui est l'association des mujeres migrantes pour l'action politique. Et c'est un groupe de femmes migrants qui a travaillé pour capable et travaille pour qui ça avec droit de vote à migrants à niveau national en Argentine. Et c'est tout ça. Alors, c'est tout ça. Si vous avez aimé connaître plus de lits, je vous mentionne. Vous êtes capable d'abonner à la page Facebook li, côté que vous avez fait différents travail que vous fait. Okay? Que ce soit travail personnel, que ce soit travail tout que vous fait dans le groupe, côté que vous intégré li. Donc, c'est un monde vraiment que nous avons reconnaître. C'est un monde qui est vraiment important dans notre communauté haïtienne. Nous avons ici en Argentine principalement. Donc, suivez-le. Okay? Nous sommes capables de crise, nous avons bien des questions. C'est un monde qui est vraiment ouvert. C'est un monde qui est vraiment comme si amable. C'est un monde qui a un grand cœur. Et je voulais dire merci. Merci non, parce que vous merci parce que vous avez accepté de faire cette vidéo ça avec moi. Et merci aussi parce que vous avez vraiment aidé, vous êtes vraiment là pour moi durant ce jour moi ici dans Mendoza. Merci Jasmine. Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt.